Hello les amis, j'espère que vous avez la forme et que tout se passe bien de votre côté. Il y a une semaine, j'ai envoyé un rapport à un de mes collègues, un rapport qui faisait 30 pages, et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a répondu le lendemain en me renvoyant mon rapport et en me disant « Anto, ton rapport était très bien, j'ai juste modifié 2-3 éléments, salut !» Sans plus de détails, il ne m'a pas dit, sur les 30 pages, quels étaient les 2-3 éléments qu'il a modifiés. Je ne remets pas en question les compétences de ce collègue, toutefois, j'aimerais quand même m'assurer que les modifications qu'il a faites étaient bien pertinentes. Heureusement, sur Word, il y a une fonction qui permet de comparer deux versions d'un document. C'est rapide et efficace, nous allons voir ensemble comment faire. Alors, avant tout, petite mise en situation. J'ai ici, comme vous pouvez le voir, un fichier Word que j'ai ouvert ici. Donc comme vous pouvez le voir en bas à gauche, le document fait 30 pages et nous allons nous amuser à faire quelques petites modifications à l'intérieur de ce document. Par exemple ici, je vais mettre 40% au lieu de 30. Ici, au lieu de dire que la trésorerie est l'un des cycles les plus importants, je vais dire que la trésorerie est le cycle le plus important. Et nous allons aller à un troisième endroit. Et là, au lieu de dire l'entreprise, nous allons dire la firme. Je pense que trois modifications suffiront à illustrer la fonction de comparaison de Word. Nous allons maintenant enregistrer ces modifications dans un nouveau fichier. Pour cela, nous faisons fichier, enregistrer sous, comparaison Word, et là nous allons mettre mémoire rédaction de V2. Et nous enregistrons. Maintenant, nous allons fermer. Et nous allons rouvrir un Word vide. Donc maintenant, vous allez voir, c'est très simple d'utiliser cette fonction de comparaison. D'abord, il faut aller dans l'onglet révision. Et ensuite, vous voyez qu'à droite, vous avez « Comparé ». Vous cliquez dessus. Et là, vous avez la possibilité de choisir différentes options. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'option de « Comparer ». Nous cliquons donc sur « Comparer ». Et là, vous voyez qu'une fenêtre s'ouvre. Et c'est assez intuitif. À gauche, vous pouvez mettre votre document original. Et à droite, vous pouvez mettre votre document révisé. Donc, allons-y. Le document original, c'est celui-là. Comme on peut le voir, la date de modification est légèrement antérieure au document modifié, donc je l'ouvre. Et le document révisé, celui que nous venons de modifier un petit peu en amont dans cette vidéo, c'est celui-là, la V2. Et ensuite, il suffit de cliquer sur OK. Et vous allez avoir quelque chose comme ça. Alors, pas de panique, je sais que nous n'avons pas l'habitude de voir Word comme ça, mais je vais tout vous expliquer. Vous avez donc trois fenêtres. Deux à droite et une à gauche. Si vous êtes un petit peu observateur, vous verrez qu'en fait, tout est renseigné. En haut à droite, vous avez le document original. Il s'agit donc du fichier de départ. En bas à droite, vous avez le document révisé. Il s'agit donc de la dernière version du document. C'est le document que nous avons modifié ensemble. Et à gauche, nous avons le document original avec les propositions de correction en mode révision. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le mode révision, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Pour faire simple, vous avez le document de base, mais avec les corrections. Donc là, par exemple, on sait qu'il y avait 30 dans le document de base. Il est barré pour laisser 40%. Il se pourrait bien, en fonction de la manière dont est paramétré votre Word, que vous ayez un onglet sur la gauche. Donc nous, qui ne l'avons pas, nous allons l'afficher, car il est très utile. Il suffit d'aller appuyer dans le sous-groupe suivi sur volet de vérification. Et là, à gauche, nous voyons tous les endroits où il y a eu des modifications. Et c'est en ça que le mode révision est très intéressant. Je peux maintenant sauter d'une modification à une autre. Donc vous voyez qu'on retrouve bien en premier lieu notre 30% qui a été supprimé pour y mettre 40%. Si je double-clique sur le suivant, nous voyons bien que j'ai supprimé l'un des cycles pour le remplacer par le cycle, que j'ai supprimé important pour le remplacer par important. Si nous continuons, nous voyons bien que j'ai supprimé entreprise pour le remplacer par la firme. Si vous préférez, vous pouvez également naviguer en appuyant sur les boutons précédents et suivants. Si vous voulez vous amuser à garder que certaines des modifications que vous a proposé votre collègue et en supprimer d'autres, ce que je vous conseille de faire, c'est de supprimer les deux documents qui sont sur la droite. Maintenant, si vous avez suivi la vidéo sur le mode révision, vous savez que vous pouvez garder ou supprimer certaines des modifications. Admettons que nous voulions conserver cette modification-là, nous la sélectionnons et nous mettons « Accepter ». Et par contre, nous ne sommes pas d'accord avec les propositions de correction de notre collègue sur les autres parties du texte. Donc dans ce cas-là, nous allons refuser toutes les modifications. Et voilà, nous avons en fait maintenant un document hybride entre notre version originale et la version corrigée que nous a renvoyée notre collègue. Vous pouvez, si vous le désirez, enregistrer cette version-là.
et la renommer par exemple V3. Comme vous avez pu le voir, la fonction comparer sous Word est extrêmement simple à prendre en main. J'espère que je vous aurai appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo si vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.